Peggy 1. Elle chante mais on n'entend rien. C'est un garçon. Ah bah écoute, n'assumez pas les genres des gens. Non mais ça, j'en reviens pas. On est où là? On est en 2019? La semaine, le seul sentiment. Regardez, je suis le danseur officiel. En rose. On peut pas dynamaxer les Pokémon. Ah, y a pas de Dynamax? Oui. Oh là là, Ixon. Ah, il est trop stylé. Oh là, il fait... Non, ça va, exécute. Ah oui, ça va faire mal. Non, ça va. Pff, zéro. Bon, alors c'était le combat d'arène classique. Oh là là, il y a du monde. Que fait un Pokémon Dynamax sauvage? Oh, laissez-moi passer, bande de pleutres. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, ils en parlent aux infos. Oh, un Miaouz Dynamax. Allons le rejoindre, il doit être au stade de Kickenheim. Attends, mais je suis pas prêt à la dernière arène. Bienvenue à la garderie Pokémon, récupérez un Pokémon. Il est niveau 9. Quoi? Ah, t'es sérieux? Ils sont niveau 9 et 14, oh là là. Ah, mais ça fait plus du tout d'XP. Non, ils ont pris 0. Tu crois qu'on pourrait leur donner un coup de main? Oui, aidons-les. J'aime bien les choix dans Pokémon, c'est oui ou oui. Je vous dédie ceci. Pour tous mes fans. Tac! XP, sinon toute la team va mourir contre le champion. Bah, ils sont au niveau combien ces Pokémon, champions? 50, 49, 30, 60, 80, 61, 46, 48. Les gens, évidemment, hein, comme d'habitude, hein, les gens disent au hasard... Moi, j'y vais, j'en ai rien à foutre. Ah oui, d'accord, direct. Itomi! Putain, c'est le nom d'une actrice porno! Alors, je voulais m'excuser de vous avoir révélé que je suis au courant qu'il y a une actrice porno qui s'appelle Itomi. J'ai conscience de décevoir ma communauté. C'est pas trop ma tasse de thé, pour être tout à fait honnête, mais c'est vrai que... Elle a des arguments, comme on dit, hein. Difficile de l'ignorer. J'adore son jeu d'actrice. Oui, alors, c'est vrai qu'elle a... Voilà, elle s'impose assez vite, hein. Elle marque le coup, hein. La démonétisation. Mais j'ai rien dit, oh là là. Hurle, bourrasque, souffle, tempête de sable. Mais calme-toi, mec, c'est bon. Je crois que c'est la mort de Bitenfleur, là. À moins que Bitenfleur dépasse et one-shot. Allez, Bitenfleur, la danse fleur Spex. Oh, Bitenfleur. La 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 la. Oh là, il fait peur un peu. Mais putain, mais il a un air hyper... Oh, il a pris une photo de lui. Oh là là, c'est une tour Eiffel! C'est la tour Eiffel d'Illumis! On est plus rapide que lui, vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a ralenti avec vent glace! Donc du coup, je suis plus rapide que lui, je me suis soigné! Les dégâts du recul, il m'inflige 2 dégâts! Bon, il me baisse mon attaque, on s'en fout, Josiane est là pour tanker! On utilise le tour de Josiane pour super potion sur Biflet pour être sûr à 100% qu'on peut tanker toutes les attaques! Tunnel! Merci, c'est tout pour moi! Comment être fort pour tous les gens qui disaient que j'allais me faire défoncer? Voilà, c'est ça un stratège, les mecs. C'est ça un mec qui sait jouer à Pokémon. Eh, pourquoi je suis stratège? Hein? Oh, hein? Et voilà, on a tous les badges! Le jeu est easy, calme-toi. C'est vrai. Sonia, ma chère petite fille, je pense qu'il est temps que tu hérites de ma blouse blanche. Tu es sûre, grand-mère? Non, mais ça va, t'as mis une blouse. C'est pas parce que vous enfilez une blouse que vous êtes un docteur, les mecs. Oh, mais regardez la team! La team, la dream team du ghetto avec des Pokémon qu'on n'utilise jamais. Ils en ont rien à foutre. L'histoire des légendaires, c'est OSEF total. Hein. Non, mais je me doute bien qu'il y a des trucs intéressants qui vont arriver, mais c'est juste que bah là, j'ai quand même les 8 badges et j'en ai pas entendu parler, si tu veux, du truc. Donc, on dirait un mur de neige. Ça va être blindé de Pokémon glace, trop bien. Oh, eh, vous passerez pas. Oh, c'est un gilet jaune. Qu'est-ce que c'est que cette merde? What the fuck? Il est dégueulasse, c'est dégueulasse, mec. Oh non, 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 il va se tuer, ce con. Oh non, 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 le tue pas. Oh, c'est bon. Mais oui, c'est ça, c'est Noah des neiges. Noah. Noah. Le mec, il est en costard cravate dans la neige. Vous voulez pas vous habiller, en fait? Oh, il est trop marrant. Monsieur Glaquette. What? Je m'en fous, je le bolosse. Ouais, il a... Oh, il m'a bolosse, quel connard. Dans quel univers, quand t'es content, tu mets un coup au mec ou alors tu lui défonces avec ta corne, quoi? Non mais c'est bon quoi, ça suffit maintenant. Je suis une victime, exactement, je suis une victime les mecs, c'est terrible. Non mais regardez comme il est mignon Noah. Il fait ses petites claquettes là en mode la la la. Mais attends, c'est déjà la ligue là? Mais non, c'est pas la ligue. La ligue, doit y avoir des trucs à faire avant, me dites pas que je suis à la ligue là. Oh, on va prendre un sac de type acier par contre, allez. Voilà, le sac de type acier les mecs, voilà. Ah, oh, je peux avoir des lunettes de type acier aussi. Ah, le gros Kekos.
Magnifique zone, hein, évidemment, hein, qu'on embrasse. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Magnifique zone qu'on embrasse. On n'est plus que 4. Travis, la petite merde. Nabil, la victime. Rosemary, la waifu et moi. Allez, c'est y part. Du coup, on va legit à la ligue. Il s'est rien passé dans l'histoire. Hein. Ça crée un champ brumeux. Non, je suis trop con, il y a une double... Mais il a une neutralité, mais... Mais je voulais faire psycho. Je voulais faire psycho. Mais je suis trop con, je voulais faire psycho. C'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va le faire. Oh, il me dépasse, il fait vantardise, quelle pute! Oh non, je suis protégé par un champ brumeux! J'avais tout prévu! Ouah, il est beau! Oh, je sens que Noah va mourir, j'ai très peur pour Noah! Fort peur, ah non, c'est mort, au revoir. Je voulais m'excuser auprès de toute la communauté. J'étais pas attaché à lui en fait, donc je m'en fous en fait. Très officiellement, j'ai perdu, c'est la vie. Bon alors Nabil, on est une victime. Tu veux perdre ta 10e game contre moi, c'est ça? Oui. Avant que le combat commence, grosse victime, va. C'est pas ta sœur, Nabila, Nabil? Quel enculé. Le mec, il est là en mode, ouais, on va jouer à Pokémon. Et moi, je suis en train de lui mettre les pics toxiques, lui faire du blocostol. Si jamais je capture un Pokémon de merde, je penserai à toi et je l'appellerai Nabil. Je vais vous inviter au restaurant. Waouh. Vous étiez donc rivaux en quelque sorte. Qu'arriverez-vous de dire à Nabil? Alors pourquoi il n'y a pas... Parce que moi là, j'aimerais bien dire... attendez, il faut un 4e choix. Non mais les mecs. On respectait un peu. Je voudrais lui dire grosse victime chez. Est-ce que ça va marcher là, si je fais comme ça? Oh mais je peux pas lui dire grosse victime chez. Le maître, il est parti à la Sheroes Tower. Oh, ça y est, c'est là, c'est l'aventure. Je crois que je commence à prendre goût à l'anarchie. Le mec, c'est abusé. Son frère, il est en retard au restaurant. Il commence à faire, ouais, l'anarchie. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour. Ça y est, enfin, elle est méchante. J'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la ligue, mais jamais il ne vous la donnera. On fait quoi? Ça craint, mais pas de panique. Mais il est juste en retard au restaurant. C'est l'argument le plus pété d'aventure Pokémon, mais j'ai jamais vu un argument aussi pété. Mon frère est en retard au restaurant, il faut qu'on y aille. C'est le scénario le plus claqué au sol depuis l'existence de Pokémon. Faut qu'on retrouve l'employé de la ligue. Là, il y a un mec là qui nous tourne le dos. Hop. Non mais c'est terrible là. Du coup voilà, comme d'habitude, hein, c'est les gentils qui sont les méchants dans Pokémon. Ce serait quand même bien qu'ils arrêtent. Hein. Vous aurez jamais la clé. Je vais me mêler à la foule. Mais putain, mais Seb là, mec, ça suffit maintenant. Tu me casses les burnes. Essaye donc de m'attraper sur le monorail. Mais putain, mais il s'enfuit encore, mais... Mec! Une chanson afin de vous soutenir. Peut-être est-ce inutile, peut-être est-ce utile. Malgré tout, je chante au baby. On a la clé. Mais à quel moment t'as trouvé la clé? Mais quoi? Il a chanté, t'as trouvé la clé, mais... Arrête la drogue. C'est donc ça, la Sheroes Tower. Oui. Oui, oui. Il est temps de rentrer chez vous maintenant. Oui, je suis d'accord. Oh, le jumpscare! Je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de Monsieur Sheroes. Elle est déterre maintenant, là. Oh non. Qu'est-ce que oui. Voilà, plus 6 en esquive. Merci beaucoup. J'ai 30% de chance de mettre une attaque maintenant. C'est super. Merci, Bellou. Bien joué, Bellou. Le Axe n'a pas joué. Bonjour. Bah alors Frangin, t'es jamais venu au restaurant? D'un coup on s'est inquiété, on a bolossé tous les gens de la zone et on est venu te chercher. Putain mais quelle bande d'enculés quoi. Navré de t'avoir inquiété. Ah là là, tout ça pour ça. Mais vous allez voir, regardez, il est méchant. Là il va faire. Que je suis méchant. Vous aviez pas compris que j'étais méchant depuis le début. J'ai un compte à régler avec Fifou. Travis, t'es une petite merde. Eh hey, Travis. Et paf. Mon séisme, misdibule hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un spectre? Oh putain, non, 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 non! Josiane! C'est bon. Oh, Josiane qui s'en bat les couilles. Laisse-le gagner, il fait de son mieux. Bon alors, on va se taper quel champion là en premier? Oh oui! Ça commence bien. Non mais regardez, j'ai blocage maintenant. Ah mais c'est génial, regardez. Vous êtes prêts? Nouvelle attaque, blocage. Là, il veut m'attaquer. Non mais... Terrible désillusion. Et là, cette fois, ça marche. Promis, ça marche. S'il y avait poursuite blocage, ce serait tellement fort. Oh là 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 là, roche haut contre type plante. Voilà, hein. Elle a le seum. Il est anecdotique ce champion. Je pense franchement que ta gueule. Voilà. Voilà, le chat en sueur. Tu m'as battu une fois mais pas deux. J'ai entraîné mon équipe au 1 contre 1. Oh, il a lance-soleil. Mec, t'es sérieux? En vrai, ça va faire mal, je pense quand même. Ok, j'ai rien dit. Qui a dit que ça faisait mal déjà dans le soleil? Hydratation.
Bon, c'est pas grave, on va quand même... La pluie, le cauchemar des Pokémon au corps de braise. Mais attends, il a mis la reine, ce con. Oh, shit. Voilà ce que c'est des dégâts. Voilà. Prends-en de la graine. Oh, putain. Biflette, il l'a biflé. Et voilà. Du coup, je suis contre le maître. Je suis contre Tarak. Attendez, regardez l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le scénario. Salut, mes petites beautés. Pour sauver Galar, j'ai déclenché la nuit noire. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah, écoutez, on vaincra Tarak après. Pour l'instant, on doit aller sauver le monde. Maman est très fière de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades. Non, mais ta gueule, maman. Mon Dieu, maman. Juste ta gueule. Oula. Oh, la musique est ouf, par contre. Là, j'avoue, c'était stylé. Oh, il a l'air tellement sérieux. Ça, c'est cool. C'est ça, les meilleurs trucs. Trop stylé, pas. Oh, mon Dieu, c'est une montagne, le truc. Mais bon. Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce poké? Rayon magique. Haha, je m'en fous. Josiane s'en bat les couilles. Alors là, c'est... Là, voilà le jeu, enfin, qui devient stylé. Oh mon Dieu. Il a dit la maxé. Mais Nabil, arrête de sourire, gros con. Nabil, il est comme ça. Oh. T'es sûr de toi là? On dirait un générique de manga. Wata wata Kodekiri Hunde Hadawa Yosoko no Koto. L'âme indomptable de Zacian. Oh, augmente son attaque. Oh. Adieu. On bat les couilles. Merci Mur Lumière. Gladius Maximus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Badass. Ah oui, d'accord, il rigole pas lui. Mais non. Moumouflon de Nabil, mais ta gueule, moumouflon de Nabil, putain. Fifou maintenant, capture Eternatus. Mais il sortait un peu de nulle part ce Pokémon, mais c'était très beau, c'était très stylé. Allez, cette fois c'est Tarak. Ah oui, d'accord, le mec, il en a rien à foutre de la life. Ouf, je tank ça. Nope. En même temps, Exagite, c'est très fort comme Pokémon, donc bon. La 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 la. Ah oui, non, par contre, il a oublié de se remettre en forme normale. Bah alors, Exagite, le maître n'a pas dit son dernier mot. Ah, il est vraiment magnifique. Là, il faut que je gigamax. J'ai mon plan, j'ai mon game plan. Regardez le stratège. On fait garde au max. Du coup, là, je l'arrête complètement. Je récupère des PV avec le terrain herbu qu'il a mis. 100% de chance de coup critique sur Hydromax. C'est parti, c'est maintenant. Il va tanker, mais il va prendre super cher. Je pense qu'il meurt. Et voilà. Ah bah alors, Tarak, public de Galar, une nouvelle légende vient de naître sous tes yeux ébahis. Bravo pour ton titre de maître. Je suis venu te remettre un petit cadeau. Ah oui, d'accord, ok. On va foutre le seum à Nabil. Salut Nabil. Ah, la maman de Nabil, attendez. Dans les faits, si vous voulez, le Nuzlocke, il est gagné, donc c'est pas non plus... Mais je vais quand même capturer au moins le légendaire. Ah bah voilà, y'a Nabil. Ça te dirait un petit combat? C'est là qu'il me déboîte, c'est ça? Incroyable dégâts, et là, paf, le Rocky, le recul, et le poison. Oh, le pauvre. Voy a la playa, bien subido la marea. J'ai un corps perdu. Salut Sonia, bravo pour ton titre de maître, on est tous bluffés. Y a de quoi. C'est pas la modestie qui t'étouffe, hein. Non. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mon détecteur de source d'énergie d'un seul. Oh, ça y est, les mecs. Le scénario. C'est quoi cette coiffure qui bouge? Mais attends, mais non, mais on dirait une bite, là, ça me stresse. Quand vous secouez la chose après les toilettes, ça fait un peu ça, hein. Je me nomme Jean Fleuret, et moi Jean Targe. Du sang bleu coule dans nos veines. Moi, je Fleuret, je serai votre adversaire. En même temps, je me bats contre Jean Pénis, hein. Ah oui, c'est l'attaque de type combat qui fait hyper mal, c'est ça, hein. Me tue pas, s'il te plaît. Il a fait l'ultra laser. Je peux pas perdre contre une bite de l'angoisse là. Ah bah alors Jean Fleuret, avec ta face de bite là, il semblerait que mon puiné ait gagné. Nabil, t'es vraiment une merde, hein. J'ai récupéré toutes les étoiles vœux. Elles sont maintenant ici au labo. C'est mon assistante qui s'occupe de tout. Je suis méchante. C'est elle la méchante. C'est une mission pour le nouveau maître de Galar, bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. Je dois sauver le monde. Oh my fucking god. Mais l'autre, il a son micro. Ah oui, un sucrène. Ça va tuer, hein, ça va tuer. Ah oui, large.
C'en est déjà fini du Jamax, ce fut bref. J'ajouterais même que ce fut succinct. Les deux bolos. Nabil qui dit bolos. Quand bien même ce serait à vous, ne dit-on pas voler c'est voler, rendre c'est capituler. Oh, oh, je secoue ma bite. Peggy 3. Nous allons libérer une vague de Dynamax sur tout Galar. Regardez la meuf derrière. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fumé. Mais qu'est-ce qu'elle a fumé derrière. Oh putain. Oh, c'était pas mal, hein. Vite. I must save the world. C'est quand même bien pratique que les Dynamax se passent dans les stades, hein. Parce que bon, si ça se passait hors des stades, ce serait quand même compliqué. Oh, la musique qui va pas du tout avec l'urgence de la situation. Ils sont assis. Ça va bien. Ah, vous êtes pénibles. C'est vrai qu'ils sont pénibles. Il a pris goût à courber les chines. Oh, oh Nabil, la victime. Oh non, Nabil. Jean tarde, Jean flop. Bravo à toi, fidèle sbire. Ton infiltration était parfaite. Je savais. Je savais. J'avais vu. Mais il bouge pas. Pourquoi vous bougez pas? J'ai la flemme. C'est terrible, c'est affreux. Et il se moque de tout. Fifo, regarde ta carte. On a des pics simultanés dans 4 stades. 2 hours later. Galop a envie de retourner se coucher. C'est quoi cette... Mais c'est vraiment trop cool. Vous avez fait... J'avais pas... C'était pas Galop, c'était Corvallius. Ah bon? Mais alors pourquoi mon Corvallius voulait aller se coucher du coup? Je comprends pas. J'admets, je vous ne laisserai gagner l'ascenseur. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Super, j'ai hâte de combattre une 30e fois ce mec. Bah alors, Jean Bomber. Mon allée, j'ai réussi, le voilà, attiré par le bouclier rouillé, je l'ai exposé au Galarion. Wow. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Exactement, Nabil. Montre-leur ton vrai visage. Mais attends, pourquoi c'est pas Zacian, moi, du coup? Mais quoi? Mais attends, j'ai Poké... Eh, oh, j'ai payé pour Pokémon bouclier, moi. Oh, mais le casque brut, meilleur objet, hein. Gros. Zamazenta, ça va, je t'aime. Je suis un furry. Waouh. Oh. Oh. Tu ne dois pas faire de mal aux humains. Ils me donnent de la pâtée. Tu ne dois pas accepter la domination des humains, Zacian. Bon, je me casse, ça me saoule. On peut jamais argumenter avec toi. Donne-moi à manger. Sinon, c'est toi que je vais manger. Oh. Non mais attendez, mais c'est... On dirait un camion 30 tonnes, quoi. Ah. Ok, d'accord, ça fait très très mal. Ouah, j'ai lancé une Pokéball. Ah non, mais vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Mais ça, c'est une Pokéball, ça. Mon aîné et moi-même sommes prêts à subir la punition encourue par nos crimes. Doucement, doucement, du calme. Je suis méchant. Il veut devenir mon Pokémon. Ouais, mais c'est super. Est-ce qu'on peut faire un combat? Again, and again, and again. Ça va être très simple, je vais placer 2 dans Slam et je vais te tuer. Je pense que là, bon, c'est un peu overkill. Allez Nabil, tu peux le faire. Oh, on se serre la main, regardez, c'est mignon. Pour la vie. Alors, là, ah, il y a marqué fin là, regarde. Derrière mon siège, il y a marqué fin, attendez. Hop.